Et salut à tous et à toutes, c'est Kondotreux pour l'épisode numéro 80 et le dernier normalement de notre let's play du coup sur Persona 5. Et ça me fait trop bizarre de me dire que c'est sans doute le dernier épisode normalement, puisqu'on est sur la dernière ligne droite. Le métaverse techniquement a dû disparaître, enfin a disparu. Et voilà, donc il devrait nous rester normalement une heure, je crois, un tunnel d'une heure de fin. Mais je suis pas encore sûr parce qu'on a quand même bien avancé. On a quand même avancé déjà la fois. Et je me suis basé sur un let's play, enfin j'ai regardé vite fait par rapport à où j'en étais. Et bon, j'ai quand même fait quelques trucs en plus que l'autre avait pas fait dans son dernier épisode. Et son dernier épisode durait plus d'une heure. Donc bon, peut-être que ce sera un peu plus court, on verra. On va prendre notre temps de toute façon. Comme mine de rien, le jeu. pour moi ça faisait un an et demi, en fait non ça fait 2 ans, ça fait, là on approche, je l'ai commencé dans cette période là, il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'on est sur le jeu, donc c'est assez ouf. On aura l'occasion d'y revenir de toute façon dans la conclusion du jeu, et ça me sert à rien de conclure maintenant. Je commence déjà à penser à qu'est-ce que je vais vous dire en conclusion, et je pense que ça va être dur de conclure là. Parce que quel jeu. Ça c'était hier. Donc on s'est arrêté comme ça, mais je sais plus du tout ce qu'il fallait qu'on fasse ou pas. Ah, je vais partir là, c'est vrai que c'est genre c'est la fin quoi. Même si on est mort et enterré, on sera toujours les voleurs fantômes, non? Je l'ai entendu dans ma chambre vite fait. Donc, techniquement, dernière fois qu'on vient ici, quoi. Je peux arroser ma plante une dernière fois. Non, je n'ai pas le droit. T'as tellement de trucs qu'on aura commencé qu'on n'aura pas fini, du coup. Dire au revoir. Tu n'as pas besoin de m'inclure, moi. Je me souviens-toi de bien tout emballer, d'accord? Je vois pas que t'oublies quelque chose d'important ici. Ça me rappelle, j'ai peut-être quelque chose. De quoi? J'aurais donné mon journal de probation. Ok, j'en veux, je sais pas. Ah oui, j'ai presque oublié. Je suis étonné que tu l'aies gardé à jour si longtemps. Enfin bref, merci. J'en prendrai soin. Bref, les prêts étaient si besoin. Dans le futur. Let's go. Du coup, je me demande. Parce que. Je vais avoir des personnages qui vont me demander de faire leurs adieux aussi ou pas. J'aimerais bien te voir aujourd'hui. J'ai un tournoi de shogi qui commence demain et. Si tu es libre, on pourrait marcher un peu. Je t'attends à l'église. Allez, j'y vais. Ça me fait marrer parce que du coup, elle a fait du shogi. Et là, je me suis relu récemment un manga que j'avais lu quand j'étais au lycée. Et que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu. C'est Hikaru no Go. Et pour le coup, c'est le jeu de Go. Oh. Je t'attendais. Donc j'ai un tournoi demain. Donc on pourra pas se voir. Mais... fais un bon voyage. Compte sur moi. Bonne chance pour demain. Je viendrai te voir. Je suis content de l'entendre. Je viendrai te voir aussi. Si je m'en sors bien, ça sera ma 10e victoire d'affilée. Je vais travailler dur pour que tu sois fier de moi. Après, avoir entendu que tu rentrais chez toi, je me suis préparé pour ce moment chaque jour. Mais ce ne sera pas le dernier. Hein. Oui, allez, prends ça. Kocha Peace. C'est une pièce de shogi, je crois. Qui excelle dans le fait de foncer tête baissée. Enfin, foncer en avant.
Donc je pense que ce sera un genre de cavalier, quoi, dans les échecs. Ça, il ne peut pas être... il ne peut pas reculer jusqu'à ce qu'il soit promu. Ah non, c'est comme une reine, quoi. Genre, on va jusqu'au bout et quand on est au bout... Quand on est au bout, on revient. Quoique non, c'est pas ça. C'est pour les dames, du coup, les de la reine. Putain, je suis fatigué. Bon, bref, je... Écoutez pas... Ouais, j'avoue, je tourne, il est tard. Parce que j'avais un petit peu d'appréhension à tourner ça, parce que... Bah, vu que c'est mon dernier épisode. Hein. Et que c'est un jeu qui m'a occupé longtemps. Ouais, comme pour tous les jeux, c'est toujours un peu dur de leur dire adieu. Merci à toi. Je suis devenue plus forte. Et pas juste en tant que joueuse de shogi, mais en tant que personne aussi. J'ai prévu de continuer à me challenger moi-même pour voir jusqu'où je pourrais aller. Tu ne seras pas... tu ne peux pas être victorieux si tu ne te regardes pas toi-même. Est-ce que c'est la même chose dans le shogi ou en amour, hein ? Je veux passer du temps avec toi. Il veut me parler. D'accord. Sinon, je peux pas m'asseoir. Donc non. Est-ce que tu veux partir? Ben oui, vu que je peux plus rien faire. Est-ce qu'il y a des gens que je peux aller voir ou pas? Kawakami, je peux aller la voir. Oui, donc je peux aller voir tous mes... avec qui je suis max, sans doute pour leur dire, pour pouvoir leur dire au revoir. Ah non, j'aurais pas dû sortir là, j'aurais dû sortir à l'école directement. Ah bah voilà, ok, ok. Je viens de réfléchir déjà où est-ce qu'était la salle des profs et tout, mais... Oh, Quinzelle ! Quelle coïncidence ! J'allais donner... J'allais aller en cours, justement. Est-ce que tu es venu... pour voir le campus ? Tu retournes à la maison demain, hein ? Enfin, chez toi, demain. Fais bien gaffe à tes... notes quand tu seras là-bas, d'accord ? Je pense pas que je puisse être capable, je travaillerai dur. Merci pour tout. Okay. Ah mais bien sûr, enfin, de rien. Et fais-moi savoir s'il y a quelque chose dont tu as besoin. Ah oui, et tiens. Service illimité. C'est un cadeau. Un souvenir de ma carrière en tant que maid. Je n'aurais jamais pu survivre à tout ça, à tout ce que j'ai traversé, si tu n'étais pas, tu n'avais pas été là pour moi. Je pense que je me serais retiré de honte en ne serait jamais capable de me regarder moi-même ou mes élèves. Pour être honnête, je voulais attendre ton diplôme, quoi. Travaille dur quand tu rentreras chez toi. Je compte sur toi. Donc je peux en effet aller voir tous mes confidents pour leur dire au revoir un par un. Alors qui on va voir? Ça y est, c'est la médecin, non? Le mec nul. Je connais même pas mes confidents, quoi. Non, ça c'est elle. J'étais en mode, mais en fait, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre qu'elle soit là. Hello. C'est parce qu'on l'appelle toujours Nijima, c'est pour ça. Tu as l'air de bien aller. J'essaie de m'arrêter ici après le travail. J'avais l'habitude de venir ici, enfin dans cette zone, de temps en temps. Et j'ai toujours été fan du café Le Blanc. C'est demain donc, hein. Le jour où tu rentres chez toi. Je suis content qu'on se soit rencontrés. You're correct. Je le suis aussi. Prends soin de toi. C'est une vérité malheureuse. Mais
Mais le genre d'adultes qu'on a combattu en tant que fleurs fantômes, ils sont un peu partout. Et même quand tu retourneras chez toi, je suis sûr que tu en trouveras plein. Ne te fais pas influencer par des adultes, enfin ces adultes terribles. Ok, prends ça. Business card. Ouais, bon, en cas de besoin. Je m'inquiète pas pour toi. Tu ne te perdras jamais. Enfin, tu ne te perdras jamais. En gros, tu seras toujours toi-même, quoi. Après, il y a des gens que j'allais voir que le soir. Qu'est-ce qu'ils sont dispo? Je sais pas, bon. Takemi. Ok. Bon, je pense que si je suis pas assez proche d'eux, je peux peut-être pas leur dire au revoir. Ce qui est un peu étrange, mais bon. Du coup, qui reste-t-il? Donc ça, et on l'a fait. Il va nous rester... ceux du centre-ville, hein, j'ai l'impression. Anne et Ryuji. Je sais pas trop où je pourrais les trouver, mais... on va chercher. Alors... je sais quand je fais ça, je les vois sur la map. Non. On va bouger de map en map et... parce que je les vois, hein, sur la map. Hein. Je regarde au cas où. Ouais, ouais, il doit être en bas. Faut que ça charge. Là, a priori, non. Ah, mais c'est parce qu'ils sont dans le côté commercial. Non, c'est Central Street. Je sais plus du tout comment. Comment s'agence tout ça. On va se balader comme ça. Là, je crois que c'est les boutiques. Quoi que ça a mis. Voilà, allez là. Je vais regarder sur ma map. Ah non, je la vois pas sur la map. Ok, donc ça va être pareil pour Ryuji, je vais pas savoir où il est, quoi. Oh, Quinzel. T'es venu ici pour te prendre quelques souvenirs. Cet endroit a un peu de tout. Je pense que bah, demain c'est le jour, hein. Prends soin de toi. Toi aussi. Ah. J'avais déjà cet objectif. J'ai fait un plan détaillé de... de combien de trucs sucrés je devrais avoir. Une petite fille s'est arrêtée. Enfin, m'a arrêtée l'autre jour à Shibuya. Elle a dit qu'elle m'avait vu dans un magazine. Et qu'elle voulait être comme moi quand elle grandira. Je me suis senti extrêmement bien. Ça me rappelle... pour tout, c'est pour toi, une copie du prochain numéro de Vague, magazine de mode. J'ai parlé un petit peu de toi dans l'interview, et Chio aussi. Je demande ce qu'elle pense quand elle le lira, quoi. Ouais, forte. Par contre, Ryuji, je sais pas trop où il peut être, quoi. On va se balader, hein. Techniquement, je le vois plus à la salle de sport, quoi, mais... je crois qu'on est passé devant, on l'a pas vu, quoi. Peut-être qu'il faut que j'aille dedans. Non, la salle de sport, c'est pas là. Mec attiré par la bouffe, quoi. La salle de sport, c'est là. Ah, moi, je l'aurais vu là, quoi, devant. Ouais, c'est pas le moment. Où est-ce qu'il peut être? Je
Super Mario Airsoft quand même. Oui, non, c'est sûr que non. Je crois que j'ai tout fait, hein. Merde alors. Mais il est forcément là, hein. Oui, voilà, Ryuji. Ça se voit facilement, normalement il a un signe au-dessus de la tête. Donc, pas là, il doit être à l'intérieur de la gare. Mais alors où? Écoutez, on va visiter, enfin on va... Oh, surtout que ça fait longtemps que je l'ai pas visité comme ça la map quoi. Enfin la gare. Donc je pense qu'il va être difficile à trouver. Là je pourrais redescendre, quoi que c'est peut-être là que ça serait. Je me souviens comment ça se passe. Je pourrais aller là-bas. Si je redescends, je tombe. Ouf. J'ai pas le droit. Okay. Et là j'ai le droit d'y aller. Oui. C'est la gare. Je pourrais que des gens parlaient, flemme. Pas le time. Bon, Ryuji, t'es gentil, mais... Je sais que c'est le dernier épisode et que j'avais dit que je voulais pas non plus... Enfin, j'avais peur que ce soit trop court, mais bon. J'ai pas non plus envie de... Allez, non, là, je... Là, je m'en vais si je pars ici. Ryuji, par contre, je vais pas te chercher 10 ans. Hein. Je te préviens. Là, je peux repartir. S'il est pas là, je vois pas où il est. Hein. Là, je crois que j'ai déjà regardé. On va tourner en rond et. Sont en psy, désolé Ryuji, mais. Fallait être plus accessible. Hein. Merde alors. Après, je me dis, faut peut-être forcément que je les trouve. Pour pouvoir partir. Faut que je fasse mes adieux à tout le monde, mais. Merde alors. Ryuji, où es-tu? Je n'en peux plus. Ah, sinon, attendez, je vais faire une petite coupure et puis je vais aller. Je vais aller chercher où est-ce qu'il est censé être. Hein. S'il se laisse pas attraper. Bon, attendez, bougez pas. Bon, il était à la salle d'arcade. C'est difficile à trouver. Hein. Et donc ouais, chacun a... Enfin, tous les personnages ont des positions particulières. Et ce qui est bizarre, c'est que je... Enfin, je vais aller voir d'abord. Je vais juste aller voir vite fait un truc. C'est si les... Ok, non. Parce que par exemple, le guide là qui me dit un peu sur tout le monde... Je dis que par exemple, genre Haru allait au Big Bang Burger. Et oui, bah, le jeu m'a pas laissé aller au Big Bang Burger. Donc je pense que. On peut aller voir que ceux à qui on a été assez proche, quoi. Donc peut-être, je sais pas, plus qu'à un certain niveau, je sais pas. Ou au niveau max, mais j'ai pas été niveau max avec Ryuji. Quoique si, peut-être, je sais plus. Ce sera libre. On va courir ensemble. C'est plutôt cool. J'ai toujours rêvé de courir dans la nature, le vent dans le dos. J'ai pensé un petit peu à quoi faire une fois qu'on aura fini l'école. J'ai pas vraiment beaucoup d'idées, mais je continue à y penser.
J'ai pas prévu de retourner dans l'équipe de sport. Je vais continuer par moi-même. Par moi-même, pardon. Putain, je bouffe mes mots. Je pense qu'au final, la vie, c'est un peu comme une... A big green truck. Tu sais pas trop où est-ce que ça t'emmène, mais le... ton seul choix, c'est de continuer à avancer. Ok, bon bah voilà, du coup j'ai... Techniquement j'ai... J'ai vu tout le monde, je crois. Enfin, tout ce que je pouvais aller voir en tout cas. Non, ouais, c'est Shiaya. Deux jours pour changer. Oh, c'est exactement comme les cartes m'ont dit. Tu es venu me voir. Tu entends ça? T'inquiète pas. Tu peux partir, rentrer chez toi, relaxer. Bon, elle est contente, avec ses clients ça se passe bien. Tu es fier. Ok. Alors, normalement il devrait... On a dû faire tout le monde. En tout cas tout ce qui est affiché sur ma carte. Bon. Eh ben écoutez, on va rentrer chez nous. Tu as dit que tout est au revoir. Oui. Oui. En fait, j'ai un cadeau pour toi aussi. Pour cette raison, cette écharpe était une chose qui me faisait souvenir que... Oh, je sais pas quoi. T'as quelque chose d'averse. C'est toujours quelque chose que j'avais. Et je voulais que tu l'aies comme preuve de tout ce qu'on a traversé ensemble. On va rentrer et faire nos cartons. T'as fini de dire au revoir à tout le monde? Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, comment tu te sens? Est-ce que ça t'a donné envie de rester? Pas vraiment. Bien sûr. Je vois. T'as dû te faire pas mal de bons souvenirs ici. Tu pars tôt demain de Shibuya. Hein. Assure-toi de bien avoir tout emballé avant d'aller dormir. Emmène ce chat stupide avec toi. Je ne voudrais pas qu'il se perde ou autre. Ne te moque pas de moi. Je peux aller où je veux, quand je veux, pas moi-même. Ah, il s'arrête jamais de miauler, hein. Futaba, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit que... Il allait partir? Il a dit Sojiro est stupide. Quoi? C'est quoi cette traduction? Pas moi de lui dire un beau au revoir. Mona's your responsibility now. Leave Sojiro to me. Je compte sur toi. Très bien. J'y compte bien. Même si tu n'es pas là, je ferai de mon mieux. Donc, fais ton mieux aussi, Quinzel. Merci pour tout.
Putain, c'est dur de se dire que... Mec, c'est la fin, là. On aura plus de quête... Là, on a plus de quête à faire. On a plus de métaverse à faire. On a plus de cours à suivre. Hey. Hey. You got everything? Tu as tout? I took you in. I thought I was the one helping you. But it turns out it was the other way around. Quand j'ai... Comment on pourrait traduire ça? Quand je t'ai amené ici, mais non, c'est quand on a pris soin de moi, quand il a eu ma responsabilité. Quand il a été désigné comme responsable de moi, je pensais que j'étais celui qui allait t'aider. Mais on dirait que ça s'est passé totalement autrement. Prends soin de toi. Ça va être sympa. Ah, et désolé. J'aurais voulu que Futaba puisse te la revoir aussi, mais je sais pas si elle a trouvé. Pareil pour le chat. Si tu repasses par là, enfin si tu reviens en ville, il se part passer par ici. Je pourrais au moins te donner un bon café. Attends, c'est-à-dire que je peux pas fermer le magasin. Bon, qu'est-ce que tu fais? Allez, dépêche-toi et vas-y. Merci pour tout. Ouais. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Oh, il est ému. After we said we disband, my word. Huh? Sorry about the weird parking job. The engine just died on us right here. Hey, Morgana, are you done yet? Why the heck am I in charge of the car again? And I thought we were done. It's fine. We're on break. Exams are done too, right? Come on, why don't you let us drive you home? You really, really gotta go? Come on, man. Nobody's forcing you to leave, you know? Wiping your slate clean ain't so easy. You see what I mean? Things must be slow these days. Don't mind them. What they think of us doesn't really matter. Yeah, she's right. We can totally do whatever we want to do. The car's fixed. Just had to borrow a plug. Nice job on the first try. All right, let's roll. Oh, I'm sorry. Why won't it start? We're gonna lose them. It was fine just a second ago. Anyways, now that we gotcha, we ain't taking you straight home. Hey, can I ask something? My friend's in trouble, and I'd like everyone's input. Ooh, that sounds like fun. If this is any more work, count me out. You know you want to, Inari. I'm getting out. Why'd you upload? Whoa, whoa! Let me off. Stop moving around! Come on! Wanna jump? That's dangerous. Donc ça se termine sur ça. Ok. Ben, je m'attendais pas à ce que ça soit un peu si brusque comme ça. Je pensais peut-être qu'on a un truc un peu plus sympa. Bref. Et ben, c'était bien cool. L'épisode sera vraiment beaucoup moins d'une heure. Tant pis, c'est pas grave. Je vous laisse. De toute façon, je vous laisserai tous les. Enfin, peut-être que c'est tout trop là, un peu long. Je sais pas. Bref, c'était cool. Même, je trouve que la fin était un petit peu rushée, je trouve.
Et un peu dommage, genre, j'aurais aimé pouvoir dire au revoir à vraiment tout le monde, pas juste les gens avec qui j'étais le plus proche, entre guillemets, où j'avais le plus d'affinité. Parce que, bah, même ceux avec qui, genre Makoto, Haru et tout, même Futaba, même si on les a moins avancés que les autres, j'aurais bien aimé pouvoir avoir pareil le côté du bon, leur dire au revoir aussi. Ça aurait montré que, bah, même les gens qui vous êtes moyennement proches, entre guillemets, peuvent être quand même importants. C'est pas parce que vous les voyez tout le temps ou pas, mais bref. C'était un jeu qui était quand même extraordinaire. Ça me fait un pansement au cœur de l'avoir terminé. 2 ans après, 80 vidéos après, 110 heures, un peu moins, je crois. C'est impressionnant. Sur la chaîne, je pense que c'est vraiment là, un monument par rapport à tous les autres aspects que j'ai pu faire, et ça va être difficile de passer à autre chose, parce que, bah, mine de rien, en 2 ans, il nous a tellement occupés, on a partagé la vie de tous ces personnages-là, c'était vraiment trop bien. C'est une aventure qui est quand même assez oufissime, et je sais que je l'ai fait alors que j'aurais pu faire un Royal qui rajoute un semestre supplémentaire, etc. On a Strikers à faire d'ailleurs, l'autre jeu. Et l'avantage aussi de Royal, c'est que, bah, il était full en français aussi. Il rajoutait aussi de nouvelles phases de boss, des trucs comme ça, etc. Mais bref, ça reste l'expérience originale telle qu'elle est sortie. Et même Strikers et la suite, enfin, se passe techniquement après du coup Persona 5, si j'ai bien compris. Mais se passe après Persona 5, tout court. C'est-à-dire qu'en gros, le semestre qui est rajouté, ainsi que les nouveaux personnages, les nouvelles intrigues, etc., ne sont pas, entre guillemets, ne font pas partie de l'histoire du Persona 5, telle qu'elle continue dans Strikers. On verra, on va pas faire Strikers tout de suite après. On verra, on va se laisser un petit temps de pause. Et même genre là, c'est difficile de digérer tout ça. Et donc, comme d'hab, vous aurez mon vrai récap, un peu condensé plutôt, sur le jeu, parce que là, c'est aussi un vrai récap. Hein. Mais sur Instagram, dans quelques jours, semaines, on verra. Le temps que je digère un peu tout, et que je vois ce qui en ressort. Mais c'était un jeu qui était quand même incroyable, extraordinaire, même si, bon, évidemment, je sais qu'il ne conviendra pas forcément à tout le monde. C'est normal, pour plein d'aspects, mais qui a quand même reçu une histoire incroyable, un univers incroyable, qui arrive à se renouveler dans ses phases. Bon, voilà, faut accrocher le jeu, hein, mais qui arrive à se renouveler dans ses phases de jeu. Tous les donjons sont différents, ils ajoutent une mécanique supplémentaire, ils ont tous une ambiance particulière, ils sont tous très reconnaissables, et l'histoire se suit très très bien, et les personnages sont super intéressants, sont bien développés, même si, bon, ça reste un des défauts du jeu aussi, que, bon, voilà, il y a des personnages ça peut être personnel, hein, mais il y a des personnages que je trouve très mal écrits, ou que j'apprécie pas du tout, pas, enfin, comment dire, vous allez me dire, oui, mais ça ajoute du réalisme aussi, pour que les personnages soient, et leurs défauts, etc. Moi, ce que je reproche au jeu, c'est pas que le personnage ait des défauts, c'est que nos personnages principaux, qui représentent une certaine vertu, entre guillemets, une morale, du côté des adultes corrompus et tout, bah, eux n'ont pas beaucoup d'évolution, en tout cas, ceux qui auraient besoin d'évolution n'en ont pas, et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que, bah, du coup, voilà, y a quand même pas mal de situations, ouais, qui sont engendrées par ces comportements-là, des discussions, ou même des pans de scénario entiers, hein, tout ce qui tourne autour de Yusuke, avant qu'il rejoigne la bande, et une fois qu'il a rejoint la bande, c'était triste et affligeant, de sexisme ordinaire, quoi. Alors vraiment, bref, vous avez vu le let's play, hein, vous savez, sans doute, j'espère, vous savez à quel point le jeu n'est pas exempt de tout défaut, évidemment, mais en tout cas, pour un joueur comme moi qui le fait en let's play et qui peut rebondir sur les situations, etc., et surtout pour un joueur comme moi pour un gars comme moi plutôt, qui a une formation de sociaux derrière, et donc ce regard particulier, c'est parfait d'avoir ce genre de truc. On a pu discuter de tellement de trucs au travers de tous les personnages, au travers de toutes les situations, et bah, c'est pour ça
je regrette pas du tout de m'être lancé dans l'aventure, et Dieu sait que que j'hésitais au début, et que bah, c'était un peu effrayant de se dire putain, ça, j'ai jamais fait de jeu aussi long, c'est à cause de ce jeu là, grâce, ça dépend de votre point de vue, mais que j'ai fait des vidéos d'une heure et demie, et que j'ai commencé à allonger toute la longueur de mes vidéos aussi, parce que bah, juste en temps là, sinon mais, je fais moins de jeux entre guillemets, et bon après voilà, je me dis bon, sur des jeux, enfin voilà, il y a des gens qui le font quand j'en ai à parler, quand Royal est sorti et que des gens ont refait le jeu, il y en a qui l'ont refait, bon, après c'est comme les, c'est comme tous les gens qui font un streaming, ça va beaucoup plus vite, mais qui l'ont refait en l'espace d'une semaine, etc. Bon, après vous allez me dire oui, mais regarde, n'importe quel jeu qui sort maintenant, en quelques jours, il est fait par des streamers, etc. Parce que c'est des gens qui attendent le jeu, forcément, ils y jouent 6 heures, 6, 7 heures, voire 8 par jour, et donc forcément, ils avancent plus vite dans le jeu, tu vois. Je comprends. Mais je pense qu'on l'aura bien savouré, en tout cas, et c'était trop bien. J'ai adoré. Man, it's weird. All this ain't feeling real to me just yet. Like, am I in a dream, you know? I wouldn't mind that. We're free to do whatever we want, after all. I guess so. If you want to change the world, all you have to do is just look at it differently. Am I right? And that is what aesthetics are. Yeah. C'est dur de dire que c'est fini, quoi. Bah, il va sauvegarder, hein. Sans 6 heures complétées. Bah voilà. On se retrouve au menu où on était. Pff, oh, ça fait trop bizarre. C'est-à-dire, c'est terminé. Ça va être difficile de passer. Je dis ça à chaque jeu, mais là, ça va être encore plus difficile de passer après ce jeu-là. En vrai, c'est un jeu qui nous a fait du bien aussi, parce que bah, vu qu'on a pu aborder plein de sujets, vu que c'est souvent beaucoup de sujets sociaux aussi, bah, ça permet aussi de sortir de ces tracas quotidiens. Moi, j'ai pu aussi mettre un peu de mon. Bah, forcément, de mon expérience et de mon cœur un peu dans. Ouais, mais du coup, je vais avoir, là. Évidemment, je vais avoir, là. Si au menu on ne bouge pas, il nous relance le truc du jeu. Mais bref, ça nous. Bref, le jeu m'aura marqué quand même sur plein d'aspects. Et j'espère que. En vrai, je vais laisser l'outro tourner. Parce que je vais continuer sur tout un peu là encore un peu. Mais ouais, je pense qu'il m'aura quand même aidé pas mal à. Bah, pouvoir aborder certains sujets plus ou moins délicats de façon plus ou moins directe, mais du coup l'avantage c'est que bah, voilà, forcément vu que c'était via des situations, bah j'ai pas forcément, enfin voilà, j'ai pas même s'il y a plein de sujets où je sais que qu'on a abordé mais où je suis pas forcément rentré énormément en détail, mais déjà les avoir abordés c'est déjà une première étape, et même bah, rien que l'histoire du jeu, hein, le fait de lutter contre des injustices commis par des gens commis par des gens qui se croient dans leur bon droit, et bref, tout ça a fait que bon, forcément ça résonne aussi avec avec ce qu'on peut vivre au quotidien, les problèmes qu'on peut rencontrer tous les jours,
Et puis même avoir ce genre de routine de vie dans le jeu, bah pour certains ça va être ennuyeux, hein, mais pour d'autres, enfin pour moi ça a été vraiment cool aussi, parce que ça permet de sortir de sa propre routine à soi. Et je sais pas trop comment vous l'avez vécu en suivant Let's Play, si certains d'entre vous l'ont suivi pendant 2 ans, ou même sont arrivés en cours de route, ou peut-être que vous avez commencé et puis vous avez lâché, puis là vous revenez juste voir la fin parce que bah, c'est la fin. Ou peut-être que là vous connaissez pas du tout, vous me découvrez et vous voulez juste avoir mon avis sur Persona 5 parce que vous l'avez fait, ou parce que vous hésitez à le faire, et du coup vous allez venir voir des conclusions, même si bon, pas forcément le mieux à faire d'aller voir des conclusions au cas où, parce que sinon ça spoil tout, mais bref. Ça reste un jeu qui m'aura tellement marqué, je comprends tellement toutes les critiques, toutes les reviews du jeu. Enfin, je les comprends mieux aujourd'hui, forcément. Tous les éloges qu'il y a pu avoir, les défauts aussi. Et voilà, tout simplement. Que dire de plus, je sais pas, j'ai plus les mots, quoi. C'est ce genre, je pense que j'oublie plein de trucs, et forcément, une fois que je suis au montage, je me dirais, putain, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, c'est vrai que j'ai pas dit ça, etc. Mais écoutez, tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. Et ouais, n'hésitez pas si vous avez suivi l'aventure, à me dire ce que vous avez pu ressentir un peu tout au long du jeu, comment vous avez vécu le let's play, que ce soit le jeu avec moi. Si vous avez déjà fait le jeu, si ça vous tente de le faire, peut-être. Voilà. C'est toujours dur de conclure des jeux. Et puis écoutez, on se retrouvera très vite, évidemment, pour la suite des autres let's play qu'on fait en ce moment. Et puis pour le prochain jeu qui viendra remplacer Persona 5. Donc voilà, sur ce, je vous dis au revoir. Plein de gros bisous. Passez une bonne semaine, passez une bonne vie. Enfin, vivez bien, lol. Si vous passez, vous étiez que de passage pour l'instant sur la chaîne. Et puis voilà. N'oubliez pas le like, commentaire, partage comme d'habitude si ça vous a plu. Et j'ai hâte de vous lire en commentaire si vous laissez un petit mot. Voilà, plein de gros bisous. Et je vous souhaite plein de bonheur pour votre vie. Salut.